J'aimerais qu'on lui réserve une ovation à monsieur Christian Estrosi. Monsieur Christian Estrosi. Accompagné d'élus Nicole Vermillot. Madame de Bonjour Nicole. Merci Fabienne. Fabienne Ollier qui a eu cette idée fantastique il y a 19 ans de cela, de véhiculer ces valeurs de la famille qui souvent font si défaut à notre pays. Là où nous voyons tant d'égoïsme, tant d'individualisme, tant de chacun pour soi. Mettre en valeur ce qu'il y a de plus cher à notre héritage de valeurs dans notre pays. Merci Fabienne. Au fond, 5 ans d'affilée, ça fait quasiment de Nice la capitale des super mamies. Salut. Et je le revendique désormais. Alors merci à Sophie Darel de nous accueillir et d'avoir animé si formidablement comme chaque année cette soirée. Et puis je remercie bien sûr tous les membres du jury, je ne les citerai pas tous, mais enfin, quel bonheur d'avoir Fabienne Thibault parmi nous. Et puis je remercie Pierrette Bresse, je remercie tous les autres. Je veux dire aux représentants de la Tunisie que j'étais très heureux qu'ils soient parmi nous. Et puis je veux dire un bonjour particulier et vraiment très affectueux à Laurent Ganassia, qui représente l'Office du tourisme d'Israël, parce qu'il y a un lien si fort entre Nice et Israël, un lien si fort entre moi et Israël. Je m'y rends 2 ou 3 fois par an. Nous avons des partenariats avec l'hôpital Hadassa à Jérusalem, le CHU de Nice, dont je suis le président du conseil de surveillance, nos technopôles, et puis surtout ce jumelage avec Natania, qui vous a reçu il y a quelque temps de cela, mon ami Myriam Freierberg, qui est le maire de Natania. Nous sommes très, très liés, très intimes, et nous échangeons aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeurs ensemble. Ce sont des valeurs humanistes, d'abord. Alors, j'étais heureux que vous ayez fait ce choix de ce déplacement en Israël, et je sais que pour le 20e anniversaire, vous avez une grande ambition, mais je vous accompagnerai, parce que je veux vraiment être avec vous. Voilà. Vous venez avec nous. Oui, super. Je viendrai avec vous au mois de septembre, je crois. Hein? Oui, Jean-Michel est venu avec nous. Il est venu. Et Jean-Michel, qui est mon adjoint au maire à la citoyenneté des seniors, qui a imaginé à mes côtés tant de choses pour les seniors dans cette ville, pour que les seniors restent en forme jusque très, très, très tard, vous vous rendez compte. J'ai décoré de la Grand Croix, de la Légion d'honneur, Fernand de Bataille, 108 ans devant notre monument aux morts le 8 mai dernier. Une grande résistante arrêtée par les nazis à Bizerte en 1942. Eh bien, c'est la doyenne des Niçois. C'est vous dire que les seniors restent en forme très, 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 très longtemps à Nice. Merci Jean-Michel d'y contribuer de toutes Bravo. Tes forces. Bravo, merci Jean-Michel Galli. Merci beaucoup. Et puis, je suis heureux d'avoir avec moi, vous savez, elle est tellement exceptionnelle, notre Denise Fabre, qui est adjointe au maire, en charge de la Bravo communication Denise. De notre ville. Merci d'être venue. Une grande niçoise avec Nicole Merlino aussi, qui fait beaucoup de choses pour les familles. Et puis mon ami Philippe Rossini, qui lui aussi est très engagé pour les grandes causes intergénérationnelles et pour les seniors, et qui représente le conseil départemental ce soir avec Nicole Merlino. Alors je voudrais juste vous dire qu'on était heureux d'avoir encore, comme hier soir, pour la fête de la musique à Nice, vous vous rendez compte, toute l'image de Nice dans la France entière, et quand je dis la France entière, c'est celle de la métropole, c'est celle de l'outre-mer, bien évidemment. Et je dis à mon ami le sénateur maire de Manas, dont j'ai été le ministre de l'outre-mer, combien je suis heureux, après lui avoir rendu visite il y a quelques années de cela, de le recevoir à Nice avec les membres de son conseil municipal, saluer le vice-président du conseil départemental du territoire de Belfort et l'ensemble de l'équipe municipale de Belfort. Et puis vous saluer toutes et tous, puisque je sais que vous venez à la fois du Nord-Pas-de-Calais, vous venez de l'Île-de-France, vous venez de l'Hérault, vous venez de la Provence, bien évidemment. De Belfort. Vous venez de bien d'autres si beaux départements de France. Il y a la Guyane qui, je le sais, est là, quelque part, si bien représentée. Et puis, je veux saluer, bien évidemment, ceux qui représentent aussi notre région, c'est la Provence. C'est les Alpes-Maritimes qui sont représentées. C'est Avignon qui est représenté. Voilà, je pense
à bien d'autres territoires de notre pays. Vous les représentez toutes et tous. On est si heureux de vous accueillir à Nice, en tout cas autour de ces valeurs dont je parlais tout à l'heure. Merci à Clémence et José. Qui mettent une ambiance formidable à chaque fois. Une ambiance extraordinaire, comme Ziz tout à l'heure, qui fait partie du jury aussi, tous les autres et toute la compagnie créole, Johanna, dont j'ai fait la connaissance hier soir sur le podium de la fête de la musique. Alors voilà, vous nous avez donné beaucoup de bonheur, tout comme les super mamies qui, quel que soit le classement établi par le jury tout à l'heure, de toute façon, avec leur famille, incarnent sans doute le plus beau chemin de vie à parcourir. Tant d'espérance, tant de beaux défis pour l'avenir. Fabienne, Sophie, en tout cas, merci. On sera toujours derrière vous pour vous accompagner. Merci. Merci. Merci, Christian. Merci beaucoup. Merci.